ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est une épée à double tranchant, une créature n'est cachée devant elle, il nous a libérés. Par l'autorité de sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole. Sa parole est la lumière des hommes. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie. Tout concourt au bien de celui qui l'aime. Il nous a libérés. Par l'autorité de sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole, il nous a libérés. Par l'autorité de sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole. Il a formé le ciel et la terre par la puissance de sa parole. Et la parole a été faite chair pour nous affranchir du péché. C'est pourquoi, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie. Ne raisonne pas si tu te sens interpellé. Non, non, il est le seul à pouvoir te donner la paix que tu as tant cherchée. La véritable et l'immortalité. Sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole, il nous a libérés. Par l'autorité de sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole, il nous a libérés. De sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole.